Et bienvenue. Un slip? Ah, t'as pas compris, le pack slip, c'est pas plusieurs slips que tu achètes chez Auchan ou je sais pas quoi. Non, non. Le pack slip, c'est juste une boîte en bois qui transforme ton jogger en camping-car. Et en plus, c'est juste une option. Si on l'achète en accessoire à 1790 euros, et si on l'achète avec le jogger à 1500 euros, quoi, 1490. Viens, je vais te montrer. Alors, l'utilisation est presque simple. Je suis sûr qu'on va se planter, mais bon, c'est pas grave. La fameuse boîte, le pack slip, c'est ça. Donc, slip en anglais, hein. Pas le... On est d'accord, c'est E-E-T, E-E-P. Bon, on enlève le matelas. Parce qu'il faut le déployer. Toute la machine. Donc là, vous avez la fameuse caisse. La première étape, c'est de pousser les sièges avant le plus loin possible et de rabattre les sièges arrière, la ligne 2. Alors, pour ce faire, c'est pas très compliqué. Aussi, astuce, les appuie-têtes vers le haut. Voilà. Voilà. Là, c'est bien en place. Maintenant, vous déployez ceci. Ah oui, tu as raison. J'avais oublié les traverses qui vont soutenir le matelas, décidément, qui sont bien mises. Hop, hop. Donc, on déploie cette structure qui se met vraiment au niveau des sièges et qui appuie sur les sièges. Voilà. Donc, les fameuses traverses. Alors, comment ça se met ça? Hop. Voilà. C'est un brick, c'est un peu un Mikado. Pour ceux qui aiment les Lego, c'est juste génial. Ça, c'est la première étape. Donc là, on a presque le sommier. Et maintenant, on passe de l'autre côté. On déploie ça. Donc, comme vous pouvez voir, ça se déploie facilement. Vous avez ici, sur les côtés, le moyen d'avoir un plus grand confort. Vous allez comprendre pourquoi. Hop! On remet le matelas, bouge pas. Hop, alors le matelas, il est là. Il faut le déployer. C'est presque facile, on vous a dit presque. Presque. Presque facile. Allez, le côté. Voilà. Et donc, les parties sur le côté, ça sert à quoi? Bah, à mettre ces petites housses latérales pour avoir vraiment le confort et ça va vraiment épouser la forme de la voiture. Je passe de l'autre côté pour faire de même. La traverse est là, des scratchs. Voilà. On ferme et vous avez votre lit. Oui, votre lit, là, regardez. Hop, 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 hop. Ah! Voilà, alors à savoir que la longueur c'est 1,90 m sur 1,30 m de large. Donc on est presque sur un lit de place conventionnel. La housse est plutôt un peu ferme, mais bon, ça va très bien. Et bah, l'avantage c'est que vous êtes totalement isolé de l'extérieur. Vous avez aussi une option où vous pouvez mettre des rideaux sur toutes les fenêtres. Et l'autre chose à savoir, hop, c'est que vous dites, ah, il n'y a plus de coffre. Et si, il y a encore du coffre, la preuve, il suffit juste de d'ouvrir ces petits harnais. Et là, vous voyez qu'on a nos affaires. Vous avez, je crois, 220 litres d'espace de rangement. Et cette petite table peut supporter jusqu'à 15 kilos. Donc, il ne faut pas s'asseoir, c'est vraiment pour mettre son petit café, son petit déj, ces choses-là. Voilà ce qu'est le pack slip. Hein? C'est pas un slip kangourou. Ouais. Allez, à bientôt. Ciao. Bon, et le pack slip, c'est pas assez pour vous? Les deux petits couchages. Dacia a tout prévu. On est sur une option à un peu moins de 400 euros. Cette tente qui s'accroche directement au haillon de votre jogger. Vous voyez l'espace? C'est plutôt énorme. Et là, vous avez la pièce centrale, le couchage. Mais le plus simple, c'est de venir voir. Venez, venez. Ah, venez regarder. Donc là, un couchage
deux, trois personnes. Voilà, viens, viens, viens. Et donc, le plus intéressant, c'est qu'ici, imaginez, il pleut. Bah, grâce au haillon, vous avez vraiment une tente. Voilà, je suis à 1,80 m, je peux être debout. Donc, vous êtes vraiment protégé des intempéries. Ce n'est pas assez encore? Ah, j'ai peut-être la solution. À tout de suite. Le pack slip, c'est pas assez pour vous? La tente de haillon, c'est pas assez pour vous? Bah, il reste encore une solution. Ça, la tente de toit. On dirait pas comme ça. Et là encore, ça augmente votre surface habitable. Et là, vous l'avez déployé. Bon, ne la cherchez pas, elle n'est pas chez Dacia. Mais vous pouvez l'acquérir un peu partout chez les spécialistes. Alors, avec tout ça, vous êtes prêt à partir en camping? Moi, non, je m'en vais. Ciao!